Action. Et bonjour, pour la quatrième fois, cette antenne, présentée toujours par Martin Rieux, puis, comment s'appelle-t-il déjà? J'oublie son nom. Comment? Alors, on n'attend pas Mathieu? Eh bien voilà, c'est Mathieu, bien sûr, j'avais dit. Yeah, oui, qui va bien sûr me présenter les Total Spies. Allez, bonjour, c'est Mathieu, je suis au poste. Et alors, nous allons vous parler de Total Spies. Donc ce sont trois filles espionnes, assez jeunes, qui sont lycéennes, qui travaillent au Whoop. Le Whoop, c'est le Grand Enterprise, avec Jerry, qui est le chef. Donc elles travaillent toutes les trois en espionne, bien sûr, elles sont agents secrètes, faut pas le dire. Donc on vous le dit, mais vous ne le répétez pas. Donc voilà. Donc Marc-Andrieux va nous présenter la toute première Total Spies. Nous vous écoutons, excusez-moi. La toute première Total Spies, alors, c'est une fille rousse, assez bien gaulée, une fille rousse, très intelligente, qui est une genre d'intello, mais très maligne, bien foutue, pas mal, quoi. Ensuite, la deuxième, Mathieu va vous la présenter. Donc la deuxième, elle est blonde, elle aime beaucoup les rouges à lèvres, et les vêtements à la mode. Elle est... Sa pire ennemie est une brunasse complètement folasse, mais elle est très gentille et très belle également. Oui. Et la troisième, Marc va vous la présenter. La troisième, bien sûr, est une fille un petit peu plus petite. Une suceuse de sucette. Une suceuse de sucette. Une mangeuse de sucette. Ah, Mathieu. Elle adore les bonbons. Elle est très mignonne. Puis, et voilà. Donc voilà les trois Total Spies présentés ici. Ici même. Donc nous allons vous citer leurs noms. Tout d'abord la rousse qui s'appelle Amy Fear. La brune, puis la brune. La blonde qui adore les vêtements qui s'appelle Frederick. English. Et puis, un de dernier name. Un de brune moyenne petite, Yves. Non, la suceuse de sucette. C'est de son temps de mort. Bref. Voilà, donc les Total Spies sont présentés avec Mathieu et Marc Antenne, toujours. Donc voilà. De bonne humeur. Comme d'habitude, bien sûr. Donc ce sont des petites agents secrets. D'ailleurs, très sexy dans leur tenue, les agents secrets. Ah oui, très bien, oui. Bravo. Magnifique. Ils ont fait un effort sur le dernier modèle, vraiment excellent. Ah oui, on voit quasi la poitrine. Ah oui, la poitrine, puis le... Ah, le mouvement du ass, c'est magnifique. Excellent, excellent. Puis le trophignon est... Bon bref, nous allons parler de ça. Excusez-moi. Bref, nous allons présenter les gadgets. Gadget. Alors, Amy a le gadget parapluie. En gros, le parapluie consiste à, quand il pleut, il absorbe l'eau. Comme ça, après, il renvoie un gros jet d'eau sur le méchant. Car elle a l'habitude des gros jets d'eau. Bref. Ensuite, le deuxième objet est un objet en plastique assez grand, d'une couleur grise, avec au bout une espèce de gland. Très bien. Très froid et... Quel est cet objet très froid qui peut glacer n'importe quoi. Puis donc, le troisième objet... Son troisième objet est une petite chose avec des touches, avec des numéros dessus. Très pratique. Elle arrive à appeler les gens avec... C'est un objet très rare, un gadget. Appelé, comment on dit... Téléphone portable, ils disent là-bas. Téléphone portable, oui. Nous ne connaissons pas ici. Non, c'est impossible. C'est un grand gadget. Ils arrivent à appeler les gens. Vous vous rendez compte? Ensuite, nous allons vous présenter les gadgets de Frédéric. Donc, tout d'abord, il y a la robe que, quand elle la met, elle devient invisible. C'est la grande robe. Comme Harry Potter. Exactement, mon cher Thierry. Elle devient invisible. Nous ne voyons plus rien. Elle a également le bracelet. Alors... Ce bracelet consiste, en gros, quand elle met autour du poignet, ça sert. Ça sert le poignet, ce qui fait que sa tête est presque à exploser, puis elle se dégonfle tout à coup pour attaquer les adversaires, ce qui est une attaque inadvertante. Voilà, c'est ça.
Bien joué, bien trouvé le mot, Mathieu, bien trouvé. Ensuite, nous avons la troisième, non, son gadget. Elle, c'est une grosse sucette qui envoie un gros jet blanc, mais très puissant, un gros liquide qui colle à l'ennemi. Puis, qui a très bon goût, d'après elle, également. Et ensuite, elle... Puis, elle a une énorme grosse sucette bleue et rouge qui est en forme de spirale et qui est fait exactement pour endormir l'adversaire et pour lui mettre son liquide blanc ensuite par la suite dans la bouche. Ça, c'est fait. Affirmatif. Nous avons ainsi nos Total Spies totalement prêtes pour cette magnifique mission. Bon, je pense qu'il est temps de dire que c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. La voix a confié une mission. Au revoir. Au revoir.